Salut à tous et bienvenue, bienvenue pour cette rencontre, cette affiche, ce choc entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est un rendez-vous incontournable en France évidemment, mais également un peu partout dans le monde. On le sait, ces deux grands clubs possèdent des fans aux quatre coins de la planète. Cette rivalité historique a donc une résonance internationale et ça offre un peu plus de panache encore à ce match si particulier. L'ambiance est magnifique comme vous l'entendez certainement. Quel plaisir de vivre cette rencontre avec vous. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Il paraît que c'est un match amical, vraiment, parce que là, la tension est déjà palpable dans tout le stade. Ah, ça ne sera sans doute pas la fête de l'amitié. Il existe une telle rivalité entre ces deux équipes qu'elles vont se donner à fond. Peu importe qu'il n'y a rien à gagner, à part le droit de changer l'adversaire, bien sûr. C'est une occasion, ça! C'est joué court à deux. Il tire. Oui, c'était puissant. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Rabiot qui écarte le jeu. Hakimi. Donc il va vite sur ce côté. Il a stoppé l'attaque adverse. En retrait. Il est marqué de près. Oh, ça peut être bon. Il y a danger. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. Oui, on dirait que personne n'a réellement envie de se découvrir pour l'instant. Ça se comprend, mais c'est un peu frustrant. Quelle occasion, attention! À côté! Oh, il faut le garder à l'œil celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense, mais sa frappe manquait de conviction. Attention, cette passe en retrait! La profondeur. Non, ça manque d'application. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Et ça n'arrivera pas, pas assez précis. Oui, ça peut être dangereux. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça n'a pas pu aller plus loin. La frappe! Oh, oh, le but de l'Olympique de Marseille! Oh, que c'est bien joué! Vous en pensez quoi de ce but d'Arène? Bon, le tir est pas mal, mais ils lui ont quand même un peu mâché le travail, là. Mais comment on fait pour oublier un attaquant adverse dans sa propre surface? Voilà le match définitivement lancé. C'est clair que l'ambiance est montée d'un cran ou deux dans le stade. Il provoque. Oui, c'est joli, mais ça n'a pas impressionné son adversaire. Bien servi. Il cherche la profondeur. Oui, il peut frapper là. Et ça va pouvoir repartir. Il choisit le côté gauche. La passe est précise. Allez, c'est dangereux! Ils ont beau être menés au score, on sait qu'ils ont le potentiel pour revenir dans ce match. Rongier. Il faut que ça va partir vite. Il
L'interception, bien joué. Oui, il a bien anticipé. Le bon ballon. Ça manque de soutien. Il est bien trouvé. Asensio. La parade, superbe. La parade, magnifique. Oui, il répond présent dans ce match si important. Danger écarté, ça repart. Ah oui, superbe transition. C'est joué long. Dembélé. Va-t-il en profiter? Il met le pied, ballon récupéré. Le gardien loin devant. Ils vont sans doute chercher à égaliser avant la pause. Et derrière, ce serait peut-être une bonne idée. Il tente de la jouer dans l'espace. Vitinha. Ouverture lumineuse. Et il continue de progresser dans la profondeur. C'est bien joué, ça. Le bon dribble. Faut frapper, là. Oh, quel bel arrêt. Quelle classe. C'était un arrêt extraordinaire. Et ce sera leur deuxième corner dans ce match, contre un seul en face. Asensio ! Elle était belle cette tête, mais ça ne suffit pas. Rabiot, Højbjerg. Il allonge le jeu. Il est passé. Oh, la frappe! Oh, quelle frappe! Quel but! Ils sont récompensés de leurs efforts sur cette égalisation. C'est une contre-attaque parfaite. Ils se sont bien projetés à la récupération du ballon et ils sont allés au bout. Je reprends sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré et ça se confirme. Lirola. La passe dans la profondeur. Il avait bien lu cette passe. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Il cherche un coéquipier. C'est dégagé. La bonne lecture. Højbjerg. C'est la pause, une pause bien méritée pour les deux équipes qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'ici. Les joueurs rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Rien n'est joué. Votre attention, s'il vous plaît. Nous avons assisté à une très très belle première période, vraiment de toute beauté. Espérons que nous aurons droit à autant de rebondissements en deuxième période. Les équipes rentrent donc au vestiaire sur ce score de 1 partout. Le Paris Saint-Germain qui donne le coup d'envoi de la deuxième période. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que les deux équipes sont 2-2 à partout. Oh, voici Dembélé. Dembélé! Et c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Lirola. Avec Rongier. Rongier. Il perd son duel physique. Le ballon dans la profondeur.
Højbjerg. On joue sur l'aile, il est servi. Et le ballon a franchi la ligne. Maintenant, le centre. Intercepté, c'était chaud. Asensio. Balerdi. C'est joué dans la profondeur. Harit. Ça doit faire but. Bon service dans la profondeur. Ils s'en tirent bien sur ce contre. C'était chaud. Oh oui, c'était une grosse intervention, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. Oh, l'occasion! Oh, le but de l'Olympique de Marseille! Hallucinant! Il repasse devant. Voilà typiquement le genre de joueur qu'il faut surveiller en permanence. Je trouve que c'est surtout bien amené. La dernière passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Asensio, qui est marqué de très très près. Ça prouve bien qu'ils ont peur de lui. Il risque d'être serré de très près. Le nombre de spectateurs pour ce match... Ça joue loin. Il est bien placé. 550. Et il ne résiste pas. Ballon perdu. Asensio. Vitinha. Oui, c'est bien ça. Allez, ça peut faire mal. Bien récupéré sur ce duel. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter, si. C'est vrai, Greg. La frappe. Le but, magnifique. Oh, ils n'auront pas mis longtemps pour revenir. C'est un grand classique. On marque, on baisse un peu sa garde et bim, on encaisse un but dans la foulée. De très très loin, il n'a pas eu peur. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, le tir était parfait. 65 minutes de jeu par le numéro 29. Quel match! En tout cas, il ne lâche rien. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. La longue passe. Cette égalisation change un peu la donne. Ça pourrait donner une fin de match complètement débridée. C'est vrai, on a du mal à croire que le score va en rester là. Dans la profondeur, bien vu. Il y a peut-être un coup à jouer. Quelle technique! C'est dans la surface. Oui, oui, c'est penalty. Oh, que ce moment est important. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir. Même si la faute était presque inévitable. Changement pour l'Olympique de Marseille. Le numéro C'est un moment très important. Il peut changer la face du match. 22. C'est au fond. Et voilà la situation complètement inversée. Quel sang-froid malgré la pression. Avec lui, ça a l'air si facile. Heureusement que c'était bien frappé, parce que le gardien était presque dessus. Et les voilà donc en tête. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Ça joue à gauche. Il perd ses appuis, ballon perdu. Deux buts en moins de 10 minutes, c'est quand même impressionnant. Ce match est plein de vie, on rappelle le score, 3-2. Une occasion peut-être pour Rabiot. À ce stade du match, c'est un peu dommage. Non, ça manque d'application. En retrait vers son gardien. Højbjerg. Voici Rabiot. Wai. Asensio.
Il joue sur sa gauche. Le tacle. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Ouais, c'est bien battu. Ballon récupéré. Il reste solide. Il peut repartir avec le ballon. C'est bien fait, ça. C'est bien donné. Sur la gauche. Asensio qui a déjà pris le pas sur la défense. Allez, oui, ça part bien. Le bon dribble. Il va falloir qu'il se réveille. Ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Et il le dépossède du ballon. C'est pas mal ça. Bien joué ça. Il peut frapper. Il a sans doute un peu trop temporisé. C'est dommage. Il avait des coéquipiers qui demandaient le ballon. L'interception, c'était chaud. Il faut être plus tranchant là. L'horloge tourne. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Ça revient dans l'axe. Il y a de l'espace, il faut en profiter. L'arbitre siffle, le match est terminé. Quel match, quel suspense et quel résultat à l'arrivée pour eux. Ils ont complètement renversé la situation dans cette rencontre. Asensio qui a été irrésistible.